Belleville. Connais-tu ma belle ville qui se mire au clair de l'eau? Connais-tu ma ville de 15 millions de courageux hommes, femmes, jeunes et enfants débordant d'optimisme et de créativité? Connais-tu ma belle ville? La ville de la rumba, celle de Papa Wemba et Fali Ipupa. Ville sportive de Mwadi, Ndaye, terre d'histoire et des légendes. Oui, ma belle ville, celle des sapeurs, des ambianceurs et des mille saveurs. Sous le drapeau s'entonnent les hymnes d'espoir. Ma belle ville, bienvenue dans ma belle ville. Kinshasa, la plus grande ville francophone, accueille les 9e Jeux de la Francophonie. Bon week-end à tous, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette nouvelle session d'information sur A30 Télévision. D'abord les titres. Les signaux sont rouges au sujet de la situation de violence sexuelle en République démocratique du Congo. Plus de 38 millions de cas enregistrés jusqu'en 2022. La question évoquée par la représentante du secrétaire général de l'ONU chargée de la question de violence sexuelle commise en période de conflit. Je viens d'être interdit de voyager par les services de la Direction générale de migration sur ordre de la présidence. Voilà ce qu'a écrit ce samedi Augustin Matata Ponyo qui devrait se rendre à Bunia dans la province de l'Ituri. Il dénonce la dictature au pays. Voilà tout pour les titres. Place au développement. Bonsoir. Kinshasa accueille la célébration du 20e anniversaire de l'Organisation des Premières Dames d'Afrique pour le Développement. À l'occasion de la cérémonie commémorative ce samedi au Palais du Peuple, le chef de l'État Félix Tshisekedi a félicité les Premières Dames d'Afrique et leur souhaite de poursuivre leurs objectifs visant à améliorer les conditions de vie de populations africaines. Dans ses propos, le premier citoyen congolais a souligné que si les leaders Afrique s'y prennent de la meilleure façon ensemble, ils pourront faire de ces continents un cadre de paix, de bonheur et de bien-être. Je le disais dans les titres, plus de 38 millions de cas de violences sexuelles enregistrés en République démocratique du Congo jusqu'en 2022 suite à la recrudescence de l'insécurité. Des chiffres établis par l'UNICEF et relevés de nouveau par la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies chargée de la question des violences sexuelles commises en période de conflit. Pramila Patten peint un tableau sombre de la situation des violences sexuelles en République démocratique du Congo. Elle a dit ce vendredi au cours d'une conférence de presse au siège de la MONUSCO. Reportage. En ce qui concerne des auteurs responsables. Arrivée en RDC avec plusieurs objectifs, la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies chargée de la question des violences sexuelles a visité des camps des déplacés des guerres à Goma. Faisant la restitution de sa mission devant la presse, elle a sensibilisé à la lutte contre les violences sexuelles tout en appelant les bailleurs à louer des ressources pour une réponse d'urgence. Au dire de Pramila Patten, la RDC fait face à la recrudescence de violences sexuelles depuis mars 2022. Face aux inquiétudes de voir la RDC redevenir la capitale des violences, Pramila Patten donne de la voix en ces termes. J'ai pris note des données avancées par la MONUSCO qui, malgré un contexte fragile en termes de sécurité, des contraintes d'accès, ont pu vérifier 187 cas de violences sexuelles pour les trois premiers mois de l'année, avec 87% de ces cas attribués aux groupes armés et 13% aux forces étatiques. J'ai aussi pris note des données avancées par l'UNICEF dans un rapport qui fait état de plus de 38 000 cas de violences liées au genre. Dans sa mission de plaidoyer, la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies chargée de la question des violences sexuelles appelle les autorités congolaises à prendre à bras les corps cette situation. Moi, je fais mon travail. J'ai
J'ai un mandat établi par le Conseil de sécurité sur la prévention et la réplique aux violences sexuelles liées au conflit. Je suis devant le Conseil de sécurité régulièrement et je mettrai les faits devant le Conseil de sécurité. Après sa visite en RDC, Pramila Patten sera en juillet prochain devant le Conseil de sécurité des Nations Unies pour présenter son rapport. Le monde a célébré la Journée internationale de l'enfant africain le vendredi 16 juin 2023. Dans son message, la ministre du Genre, Famille et Enfants, Mireille Massangou, a réitéré la volonté du gouvernement de la République démocratique du Congo de protéger le droit des enfants sur toute l'étendue du pays. Chers compatriotes, les droits de chaque enfant doivent être respectés, protégés et mis en œuvre dans l'environnement numérique. Les innovations dans les domaines technologiques numériques ont des effets importants sur la vie et les droits des enfants et nous devons y veiller tous. Permettre un accès effectif aux technologies numériques peut aider les enfants à réaliser l'ensemble de leurs droits civils, politiques, culturels, économiques et sociaux si seulement cet environnement est propice. Il est donc important de veiller à ce que tous les enfants aient un accès égal, effectif et satisfaisant à l'environnement numérique, mais surtout garantir aux enfants un accès libre et sécurisé visant l'utilisation de nouvelles technologies dans ces domaines, ce qui implique la conciliation du droit de l'enfant à être protégé avec celui d'utiliser librement l'Internet. Le chef d'état-major général des FARDC tape du poing sur la table face à la trahison au sein de l'armée. Il a regretté que les informations de planification confidentielle de l'armée soient transférées aux ennemis de la République. Écoutez. Ne jamais trahir le Congo. Sokiyo ozana mbuma mabe ya ko trahir mboka na yo ozo comploté na rebel ozamo konzi mais ozo comploté na rebel soki ozamo nguna longola teni na biso trop de traîtres à tous les niveaux loyauté zéro. Même à ta ma solo ya pamba et kei. Bon planifié mouke et kei. Mais entre temps, on l'a dit tenu à FARDC. Et puis on obéit, je suis loyal. Et puis Nassouk on obéit, on a prêté serment. Il n'y a pas de problème. Les seuls juges, ils en zan. Ceux qui t'ont monné au terre, ils en ont. Mais ceux qui t'ont monné au terre, Bazawana. Bako Kangayo. Poursuivons dans ce chapitre de sécurité, grande parade de toutes les unités de la police nationale congolaise, ville de Goma, au Nord Kivu. Le commissaire provincial ad intérim a principalement appelé les éléments de la police à plus de discipline et à éviter les tracasseries tant sur la route que lors des patrouilles. C'était jeudi au stade Afia dans la ville du Goma. Suivez. Il s'est tenu une grande parade de toutes les unités de la police nationale congolaise de Goma, ce 16 juin 2023 au stade Afia. Le commissaire provincial ad intérim a entretenu les 670 éléments des escadrons de la police nationale congolaise sur quatre points essentiels. Dans son développement, le commissaire divisionnaire Christian Kambalé a épinglé la discipline, la problématique de l'extorsion, les tracasseries, le soin corporel, les patrouilles pédestres, la réglementation de la circulation routière et bien d'autres points. Sans service intérieur, nous pouvons plus en sécuriser la population. Et là, nous avons aussi beaucoup à faire
peut-être des patrouilles, des ronds propres, des bouclages, des appareils, ça peut parmi toujours les services intérieurs qu'elles sont obligées de pouvoir couvrir. Et en fait, je parlais aussi de l'utilisation abusive des policiers. C'est là qu'on largue dans les, sur les particuliers pour sécuriser, tout ça, c'est pas du tout. Et il y a une procédure spécifique. Mais en fait, je termine avec le dernier point, c'est le patriotisme. Nous sommes policiers, nous devons avoir l'amour de notre patrie. La population doit toujours être calme dans le sens que... Et là, derrière la police pour sa sécurisation. Une sensibilisation en faveur du don de sang a été également au rendez-vous pendant cette parade. La 18e édition de la DRC Mining Week clôturée vendredi à Lubumbashi. Aux côtés de plus de 200 entreprises présentes, le stand des 9e Jeux de la Francophonie a attiré du monde. Congolais comme expatriés, une belle opportunité pour l'organisation qui a visiblement sensibilisé pour ce plus grand rendez-vous francophone. Reportage Rachel Kitita. Aux côtés de plus de 200 entreprises qui exposent à la 3e édition de la DRC Mining, il y a des structures et organisations parmi lesquelles le comité d'organisation des 9e Jeux de la Francophonie. La question est d'intérêt national et le stand attire des visiteurs, des Congolais curieux d'en savoir un peu plus sur l'évolution de l'organisation et sur place. Tous les détails leur sont fournis. En fait, moi, je voulais m'enquérir du niveau d'avancement des travaux parce que je suis un peu trop regardant sur ce qui doit se passer et d'autant plus que je tiens que l'image vraiment du pays soit normalement vendue. Tout d'abord, j'avais un plaidoyer et ce que j'ai fait avec vos agents, je leur ai dit. En fait, on s'est dit des plus grands pays francophones, mais c'est pour moi une frustration que le Rwanda puisse occuper la présidence au détriment de la RDC. Sandrine Louvissa est superviseure de la commission marketing de 9e Jeux de la Francophonie. Elle souligne l'importance de la présence du stand Francophonie à Pullman de Lubumbashi. Ça nous a permis de venir dans la deuxième plus grande ville de la RDC, de faire la promotion des 9e Jeux de la Francophonie, de sensibiliser la population, mais également de pouvoir approcher tous les décideurs, les entreprises commerciales qui sont présents ici à Lubumbashi. J'avais beaucoup de questions, savoir est-ce que ça allait vraiment avoir lieu, est-ce que les travaux sont finalisés. Nous les avons rassurés et ils comptent devenir partenaire de 9e Jeux de la Francophonie. Ça sera donc le plus grand rendez-vous francophone que la République démocratique du Congo va accueillir sur son sol du 28 juillet au 6 août 2023. Et ici, en marge de la 3e édition de la DRC Mining, l'équipe venue de Kinshasa s'attelle donc à expliquer le contour de l'organisation de ces 9e Jeux de la Francophonie dans notre pays, voulu aussi pour rehausser l'image de la République démocratique. C'est donc avec beaucoup d'espoir que ceux qui viennent partent, puisque des explications leur fournies, tout semble être mis au point pour que ces grands rendez-vous francophones se tiennent dans des meilleures conditions. L'organisation s'attelle donc à finir tous les sites qui vont abriter les Jeux de la Francophonie. Depuis Pullman, à Lubumbashi, au Katanga, Rachel Kitita, pour le compte. À tout de suite. Kibali Gold Mine a pris part active à la DRC Mining Week, intervenant dans le cadre du panel au dernier jour des assises. Le directeur général de Kibali a évoqué plusieurs questions liées au développement des mines. Cyril Mutombo a recommandé l'évaluation du code minier promulgué en 2018. Selon lui, il y a trop de zones d'ombre avec ce code minier. On l'écoute au micro de notre envoyé spécial, Rachel Kitita. Pensons que penser à la révision, ce serait beaucoup tôt. Nous proposerons plutôt une évaluation car les codes s'étaient assignés un certain nombre d'objectifs
Et nous saluons les objectifs qui ont été ou qui sont en train d'être atteints par rapport à ce qui est de l'environnement et des communautés. Les exigences environnementales sont renforcées, ce que nous aimons. Les exigences sociétales avec les 0,3%, la dotation et aussi les cahiers des charges, ce sont des choses que nous encourageons. Et ça, nous devons continuer sur cette lancée-là. Par contre, il y a beaucoup de petits soucis avec l'interprétation, avec les administrations, l'administration. Et si nous pouvons avoir une amélioration de ce côté-là, je crois que ce serait une chose importante. Mais aussi un dialogue où nous allons nous poser la question pour savoir ce code a fait 5 ans, quelles sont les retombées, qu'est-ce qu'il a apporté, y a-t-il des choses qui peuvent donner lieu à une amélioration, y a-t-il des choses qu'on peut ajuster. Voilà la chose ou l'exercice que nous estimons qu'il faille faire. Peut-être pas la révision, mais plutôt une évaluation avec tous les acteurs, le gouvernement bien entendu en avant-plan, car c'est lui le législateur. Via, quand je parle du gouvernement, c'est de la RDC, via le Parlement, ainsi que les autorités de tutelle, le ministère de Mines, la primature, les autres services étatiques, la présidence, nous, les opérateurs miniers et aussi la société civile. Dans l'actualité également, l'ancien président Joseph Kabila va s'adresser à la nation dans les tout prochains jours autour des enjeux de l'heure. Le sénateur à vie Joseph Kabila a annoncé son allocution lors de sa rencontre vendredi dans sa ferme de Kingakati avec des membres de sa famille politique, le Front commun pour le Congo. Joseph Kabila a également appelé à la résistance, comme l'explique Ferdinand Kambéré, le secrétaire permanent adjoint du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la démocratie. On l'écoute. L'autorité morale du FCC aujourd'hui a réuni les chefs des partis politiques, les associations qui sont membres de l'FCC, les communicateurs, rien que pour dire que bientôt, effectivement, il va faire la lecture aussi de sa propre lecture de la situation du pays. Donc, il est là. Il va s'exprimer très, très bientôt en tant que politique. Il est jaloux, en tout cas, de ce qu'il a fait pour ce pays, pour qu'on soit là. Il a rappelé le fait que même sur la souveraineté, la question de souveraineté de notre pays, les territoires nationaux du pays qu'il a laissé à son successeur Félix, malheureusement tout ça a volé à l'éclat. Autre chose dans l'actualité, l'ancien Premier ministre et sénateur Augustin Matata Poyo affirme avoir été interdit de se rendre ce samedi à Bunia dans la province de l'Ituri. Sur son compte Twitter, le président du parti Leadership Bonne Gouvernance pour le Développement note que les services de la Direction générale de Migration l'ont empêché de voyager sur ordre de la présidence de la République. Augustin Matata Poyo ajoute, je cite, sans aucune norme professionnelle et sans aucun respect revenant à un parlementaire, la carte d'identité du sénateur a été saisie par les agents de la DGM. Vive la dictature au pays de Lumumba. Fin de citation. La sphère politique congolaise enregistre un nouveau regroupement. Il s'agit de l'Action audible pour la bonne gouvernance, AABG, formation politique officiellement lancée ce samedi avec pour entre autres objectif militer pour la bonne gouvernance. La AABG s'engage à offrir un second mandat à Félix Tshisekedi. Reportage Micha Wabeno et Merveille Kitita. Dans la salle du centre culturel Boboto à Kinshasa, plusieurs invités des marques venus pour la sortie officielle du regroupement politique Action audible pour la bonne gouvernance. Également présent, le directeur des cabinets du chef de l'État, Guylain Nyembo, a été déclaré parrain de cette formation politique. AABG se donne notamment pour mission de lutter contre les antivaleurs. La naissance de AABG annonce la fin des crimes, de l'impunité, de la gabegie financière, de l'immoralité, de détournement des deniers publics, de trafic d'influence et de la corruption, pour se tourner vers un avenir de prospérité et d'émergence de notre pays sous l'égide de l'homme qui a su redonner espoir à son peuple.
et lui a permis de comprendre que le rêve congolais de grandeur et de prospérité n'est pas fini. J'ai cité Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour les prochaines élections, la AABG va militer pour la réélection de Félix Tshisekedi à la magistrature suprême. La vision du chef de l'État, vaincre la pauvreté, est une offre politique étalée sur une durée de 10 ans et acceptée par la population qui a adhéré majoritairement en lui accordant un suffrage aux élections passées. Cette offre politique n'a son sens que lorsqu'elle est prise dans l'espace-temps globalisant de 10 ans. C'est donc un tout et indivisible. Le résultat final attendu sera constaté par la population au terme de ces délais. Ainsi, pour AABG, le second mandat du chef de l'État est une nécessité non négociable pour évaluer dans son ensemble les éléments constitutifs du développement de la RDC. Plusieurs partis politiques et mouvements associatifs ont signé la charte du regroupement avant de recevoir dans la foulée les insignes du regroupement Action Audible pour la bonne gouvernance. Au nombre de partis politiques signataires de la charte d'adhésion du regroupement politique AABG figure le Rassemblement pour la reconstruction du Congo de Jean-Marie Elissé. La secrétaire générale de cette formation politique évoque le motif de l'adhésion à l'AABG. Le Rassemblement pour la reconstruction du Congo prêt à batailler pour la réélection de Félix Tshisekedi au pouvoir au sein du regroupement Action Audible pour la bonne gouvernance. Dans son autorité morale, Jean-Marie Elissé a signé la charte d'adhésion. Pour la secrétaire générale du parti, la RDC a besoin d'une bonne synergie politique pour son développement. Actuellement, nous avons tous ces challenges donc à relever. C'est pour ça que le RRC... Représenté ici par plusieurs cadres, le rassemblement pour la reconstruction du Congo s'est rallié donc au groupement AABG, Action Audible pour la bonne gouvernance, parce qu'il est plus que nécessaire que notre pays puisse se rallier autour d'une bonne gouvernance, une bonne gestion et aussi un rassemblement, une synergie pour pouvoir travailler sur tous ces secteurs qui ont vraiment un besoin d'accompagnement et aussi pour appuyer notre chef qui est en train de travailler sur son second mandat, le chef de l'État Antoine Félix. Le AABG se donne comme mission de lutter contre les anti-valeurs, les détournements, la corruption et le renouvellement de la classe politique. Toujours écho de partis politiques, cadre du parti politique dénommé Alliance de Congolais, ACP en sigle, Leni Yoka, en séjour dimanche 11 au mercredi 14 juin 2023 à Gemena dans la province du Sud Ubangi, un double objectif à militer pour ce périple. D'une part, vulgariser les idéaux du parti cher à Jean-Tiny Ngobilambaka relatif à un total soutien électoral à Félix Tshisekedi pour son second mandat. D'autre part, l'installation de la fondation Nyoka. Un très bon décor partout à l'arrivée de Leni Nyoka, cadre du parti politique ACP, dans les territoires de Gemena et ses environs. Partout, un décor fleuri aux couleurs de ce parti politique ACP, flottant ici et là, flotté dans les territoires de Gemena et ses environs, pour l'accueil de Leni Nyoka, cadre de ce parti politique. Partout, un accueil plus que chaleureux et délirant de la part de plusieurs militants de cette formation politique, chapeautée par Jean-Tiny Ngobilambaka. Tout à l'honneur de Leni Nyoka ainsi qu'aux membres de la Fondation Nyoka. Partout, dans des villages comme Bozombari, Ngoumou ou encore Bobandono, Leni Nyoka, désormais appelé homme solution pour Gemena, attendu un sauveur, a eu les oreilles bien attentives pour enregistrer le chapelet des doléances de la population locale. Quand on a des difficultés, quand on a un centre de santé, on a des difficultés de tendre à la base au Koufa, Nanzela. Awa et pas na biso, quand on a des difficultés, quand on a nini, d'accord, la classe, exact. Mais, tu as dit à toi, mais il y a qui t'en copie, exact.
Deuxièmement, pendant l'élection, l'élection bio n'a voté. En guise des réponses immédiates, en sa double qualité d'initiateur de la Fondation Nyoka à caractère social et de cadre de l'ACP, Lenny Nyoka était porteur d'un vibrant message, celui invitant la population à placer sa confiance sans faille au chef de l'État, Félix Tshisekedi. Naye ponatika fondation oza na kombo ya papa fondation Nyoka. Na kotika fondation eza po esunga sudubangi. Kwekende liboso. Na ba moyen mike tokumeka kosala po sudubangi eba kotambola ekende liboso pe lokola ba mboka misusu. Nyonso wana ezali na cadre ya ko sunga mokonzi ya mboka, mokonzi Félix Antoine Tshisekedi. Fachi otobengi Fachi Béton. Na yena sima ya parti politique wa bengi ACP, Alliance des Congolais Progressistes, ya autorité morale Gentini Ngobila. Partout, Lenny Nyoka qui a palpé du doigt les problèmes et autres difficultés de la population, avec preuve par neuf, s'est enrichi des stratégies qui s'imposent pour les prochaines échéances électorales. Comme pour dire d'une pierre, Lenny Nyoka a fait plusieurs coups à Guémena. Plus que 24 heures avant le match de la 5e journée du groupe I des éliminatoires de la CAN 2023, dimanche à Franceville, entre les Gabon et la République démocratique du Congo. À l'occasion, peu importe les circonstances et pour leur survie dans cette compétition, la victoire est impérative pour les Léopards de la République démocratique du Congo face aux Panthères, jusqu'ici invincibles à domicile. Dernier du groupe I avec 4 points, les Léopards de la RDC ont impérativement besoin d'une victoire ce dimanche face aux Panthères du Gabon afin d'augmenter leurs chances de qualification à la CAN 2023 et rester maître de leur destin contre les Soudans à la dernière journée. L'opposition sur papier entre les deux sélections qui se connaissent s'annonce également à couper les souffles. Lors des trois dernières confrontations entre la RDC et les Gabon, les Congolais se sont inclinés à deux reprises, d'où ces fameux 3-0 à Franceville en mars 2021. Gabon win it back. He's got the step overs and he's got the finish. Well, he's been an absolute score. Les fauves congolais qui tiennent à participer à la prochaine fête du football africain après le dernier rendez-vous manqué veulent s'appuyer sur l'air bonne dynamique depuis l'arrivée du technicien français Sébastien Desabre. Sur les bancs de la RDC depuis le mois d'août dernier, l'ancien entraîneur des Pyramides FC présente un bilan de 3 victoires, 1 nul et 1 défaite. Oui, si les sportifs congolais rêvent d'un succès du 11 national en déplacement à Franceville, les Léopards devront fouler les sols de cette ville en mission commun de suicide. Simplement, les Panthères y sont invincibles. Aux Léopards de briser ses mythes pour amener un bon résultat au pays avant de parachever cette qualification à la 6e journée à domicile contre les Soudans. Briser ses mythes gabonins équivaut à ces Léopards de se munir d'un mental en acier à même de leur permettre de faire face à ces Panthères. Pour ces Léopards à cœur vaillant, rien d'impossible. Mesdames et messieurs, c'est par ici que prend fin cette session d'information. Merci de votre fidélité à A30 Télévision. Je vous retrouve au début de la semaine prochaine. Au revoir. Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, qui dans quelques jours va abriter le 9e jeu de la francophonie. Une première pour la RDC. Au total, plus de 4000 sportifs et artistes sont attendus en RDC pour participer à ces jeux. Nous allons à la découverte des quelques sites retenus pour la partie culturelle. Il y a le Musée national, l'Académie des Beaux-Arts, l'échangeur de métiers, mais aussi et surtout la Halle de la Gomme, véritable carrefour d'actualité culturelle dans notre ville province de Kinshasa. Pour parler de ce concours création numérique, un concept tout à
fait nouveau. Nous allons nous entretenir avec le responsable de cette discipline, M. Narcisse Lutumba. Narcisse Lutumba, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ici à la Hague de la Gombe. C'est au lieu de prestige, de tout ce qui est culturel en RDC. De quoi s'agit-il en fait? La création numérique, d'abord en tant que discipline, a été introduite pour la première fois lors de la 7e édition à Nice, en France. Donc, ça fait déjà 3 éditions que ça existe comme discipline parmi les 11 disciplines du côté culturel. C'est une discipline qui consiste à la création ou au montage des images auxquelles il faut associer un son ou des sons. Et les deux doivent constituer une seule œuvre dans laquelle nous trouvons une égale importance entre l'image et les sons. Il y a un message particulier par rapport à ces concepts. Ça peut répondre à une thématique. Que vous allez mettre sur place ou bien c'est à l'artiste lui-même d'imaginer. L'artiste peut se choisir une thématique. Il est libre, oui. Un concours aussi peut fixer une thématique. Ok. Donc l'artiste peut s'inspirer et puis voilà, répondre à cette thématique. Ok, d'accord. La création numérique, c'est une discipline qui exige la projection. La projection exige une salle assez sombre. Voilà pourquoi ce site a été choisi. Eh bien voilà, nous vous remercions pour toutes ces précisions. Et je rappelle que nous sommes à la Hague de la Gombe, site retenu par le comité qui organise le 9e jeu de la francophonie à Kinshasa. Bienvenue à vous tous. On se donne rendez-vous dans quelques jours, le temps pour nous de vous permettre de découvrir aussi d'autres sites retenus par le comité pour ce 9e jeu de la francophonie. À tout de suite.